bien, bonjour à tous et à toutes les amis. On est sur une nouvelle vidéo sur comment avoir des skins modés et un X-ray. Donc, un X-ray c'est simple, faut juste avoir la backup. Donc, je vais déjà tout vous expliquer. Une backup, qu'est-ce que c'est ? Une backup, c'est déjà, c'est comme un pack de skins. Vous voyez, il y a des packs de skins Minecraft qui sont gratuits ou payants. Là, ce pack de skins, il sera gratuit. En gros, c'est des skins de PC qu'on ajoute à Minecraft PS3. Alors, je m'excuse aussi pour la qualité. Hop. Donc, déjà, ce que vous allez faire pour avoir des skins modés, c'est insérer votre clé USB. Là, dans le port de gauche, donc elle est là. Vous allez dans utilitaire de données. Et là, vous allez copier toutes les maps qui vous intéressent, que vous voulez copier. Bon, moi, je copie ma ville. Je copie une map que j'ai déjà téléchargée. Et là, elles sont là. Donc, dès que vous avez fait ça, vous allez sur votre PC et vous téléchargez la backup que vous voulez. Moi, je télécharge la GXV1. Si vous voulez, par exemple, donc, je vais vous montrer différentes backups qu'il y a. Il y a comme bonne backup que je connais, il y a la Misaki V1, même s'il y a quelques petits bugs. Misaki V1. Hop, vous allez là. Backup Minecraft PS3. Donc, alors, donc, moi, je vais prendre l'exemple de Guillaume ZDRK. Alors, pour savoir... Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux sortes de Minecraft sur PS3. Le NPEB et le Bless. Qu'est-ce que le NPEB ? Le NPEB, c'est Minecraft, mais téléchargé sur le PlayStation Store. Et Bless, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le CD qu'on a acheté à quelqu'un ou neuf. Voilà, donc... Voilà, comme il a dit, NPEB Digital Bless CD. Moi, j'ai en Bless, donc je l'ai téléchargé en Bless, c'est logique. Il est là, 310 MO sur 507. Après, j'avais plusieurs backups, j'avais la Misaki aussi, que j'utilise en ce moment. J'ai quoi ? Voilà, elle est là, Misaki. Non. Misaki V1. Donc, on va attendre que le téléchargement se termine. En attendant, on va aller faire je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc oui, j'ai le HUN, mais le HUN ne marche pas sur ma console. Donc pour ceux qui savent comment activer le HUN sans crash... Franchement, expliquez-moi parce que moi je n'y arrive pas. Et là-dedans, vu que je connais rien, quand je vais dans installation de fichiers PKG, périphérique de stockage, il n'y a rien. Standard non plus. Là-dedans, il n'y a rien du tout. Et je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est à cause de ça que je crache. Mais je sais pas. Et du coup, bah ça m'énerve. Voilà. Donc, les amis, on va attendre que le téléchargement soit fini. En attendant, du coup, je m'en répète un peu, mais on va aller sur Minecraft. Donc, d'ailleurs, ça fait un peu longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Je devrais en faire plus souvent, mais vu que maintenant on est confiné, je vais essayer d'en faire beaucoup plus souvent. Surtout que j'ai bientôt les 60 abonnés. Franchement, si vous intéressez, si la prochaine vidéo que j'ai fait, non, je sais plus parler. La prochaine vidéo que j'ai fait, franchement, je vais vous montrer comment modder une map Minecraft. Bon, bah les amis, je vais vous montrer comment voir la backup. Donc maintenant, je vous montre là comment. Donc voilà, elle a fait le focus. Allez. Donc là, le téléchargement il est terminé.
il est juste ici. Donc là, on va quitter. On va aller dans les dossiers. Donc on ouvre les dossiers. Par contre, ça a zoomé ou quoi? Ah oui, merde, ça avait zoomé. Ok. Donc ça, on va mettre en grand écran. Et ça va être la fin, donc. Bon, là, ma console, elle a crash. Voilà. Donc là, vous allez dans téléchargement. Ça, on enlève. Voilà, téléchargement. Et là, vous avez JXV1. Donc, vous mettez comme ça. Vous prenez le fichier. Et vous le glissez sur le bureau. Je rallume ma play du temps. Ok, donc là vous ouvrez le dossier avec marqué PS3. Vous allez dans Export, Backup. Et là donc, ça du coup grâce à WinRAR, vous allez faire Extraire ici. Et là normalement des fichiers vont apparaître. Donc là vous attendez. Il y a un petit chargement. Qui fait en gros tous les fichiers, je vous explique, tous les fichiers qu'il y a dans le JXV1 vont être transformés en fichiers normaux, donc comme ça. Donc on attend un peu, c'est un peu long, on attend. Donc du temps, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller dans paramètres système. Oh voilà, je tremble. Vous allez dans utilitaire de sauvegarde et vous allez mettre restaurer. Donc vous attendez. Ok. Donc là, normalement, logiquement, il est je ne sais où. Où est le fichier? Je ne sais pas. On va le extraire ici encore. Mais il est où? Ok, attendez. Bureau. On va aller dans le bureau. On va aller voir. Map importante. Microcity, Miyazaki, PS3. Bon, attendez, je fais un petit ellipse, 2 secondes, les amis. Allez, à tout de suite. Re, les amis, j'ai trouvé c'était quoi le problème. En gros, moi, j'ai fait extraire ici. Fallait juste, en fait, je vais vous montrer après. Donc, j'attends que ça se télécharge derrière, là. Voilà, ok. C'est terminé. Donc, en gros, faut juste ouvrir le fichier GXV1. Et là, vous allez atterrir sur une page de arrière-plan. Hein. 136 mots supplémentaires. Ok. Ouais, allez. Donc, j'ai juste vous montrer. On va mettre son petit écran là. Ouh. D'accord. Bon, ça a crash. C'est pas grave. Une backup, on va enlever Miyazaki. On va le supprimer. Oui. Hop, ça, on le supprime. Et là, celui-là, on fait recommencer. Donc, déplacement de 5 éléments vers backup. On attend. Donc du coup, là, vous allez dans utilitaire de sauvegarde, je m'en répète, restaurer. Vous faites oui. Et là, vous attendez. Bon, vous aurez pas ça. À part si vous avez le HEN, je pense que vous aurez ça vous aussi. Sinon, non.
Donc ça on peut enlever, ça on s'en fout. Ok, attendez. On va juste rouvrir WinRAR pour que je vous montre comment aller dessus. Donc ça vous fermez. Donc là, quand vous ouvrez WinRAR avec ce fichier, hein, bien sûr, vous ouvrez le fichier que vous avez. Vous allez dans PS3, Export, Backup, et là vous aurez la backup. Vous aurez plus. Non. Vous aurez plus qu'à. Hop. Voilà. Ah, mais merde. Il fait chier. Donc on va attendre, je vais vous montrer juste après. Alors, ce serait bien de se dépêcher un peu là, le téléchargement. 9%, 100%, ok. Donc maintenant je peux vous montrer. Donc quand vous avez ça, là vous voyez, j'ai dans le truc, je peux le copier. Vous allez dans vos fichiers, et vous allez ici. Et là vous le copiez. Donc moi j'ai pas envie, vu que je l'ai déjà. Alors, quand vous avez fini. Maintenant tu déjeunes pas ? J'enlève la clé. Et là. Vous la mettez dans le port de gauche. Voilà, donc elle est là. Dans le port de gauche. On leur dit, on n'en aura plus besoin. C'est fini. Avec l'ordi. Donc là, vous avez plus qu'à descendre. Périphérique USB. Et là, il y a marqué GXV1. Vous cliquez dessus. Ces données ont été sauvegardées depuis un autre système PS3. Certaines données ne peuvent pas être restaurées, se reporter au mode d'emploi en ligne. Ok. Voulez-vous vraiment rétablir? Faites oui. Et là, c'est bon. Là, ça va formater votre console avec la backup. Grâce à la backup, vous pouvez restaurer la Play. Donc, bon. Vous allez perdre tous vos fichiers par contre, donc je vous conseille de pas faire ça avant. Genre, toutes vos photos et tout, j'espère que vous avez pas de photos sur votre Play parce que ça va la restaurer. Voilà, et là ça copie les sauvegardes. Donc qu'est-ce que sont les sauvegardes, hein? Ben les sauvegardes, c'est juste toutes les backups. Enfin, toute la backup entière. Voilà, donc ça la copie dans votre PS3 et vous aurez la backup. Donc, je vous retrouve dès que le téléchargement sera terminé. Donc là, il est à 30%. Donc, je vous retrouve dès qu'il est terminé. Allez, à tout de suite. Donc, les amis. Là, la restauration, elle a terminé. Donc, hop, je valide. Et là, elle va se redémarrer. Votre console va se redémarrer. Vous attendez un peu. La base de données sur le stockage va être reconstruite. Vous cliquez sur X. Ce téléchargement-là, il est rapide. Ça va. Vous attendez. Elle se redémarre. Et là, normalement, vous avez toujours vos comptes, hein, bien sûr. Donc, ce que vous faites maintenant, vous allez dans votre clé USB et vous avez vos maps. Vous les copiez. Donc, vous attendez. Hop. Celle-là, vous la copiez aussi. Et là, c'est bon. Voilà. Vous ouvrez votre Minecraft et vous aurez tous les skins modés. Normalement, il n'y aura pas de mise à jour à faire. Il n'y aura rien du tout à faire, bien sûr. Si vous avez bien fait toute la manip. Moi, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, c'est bon, ça a marché.
Voilà. Donc là, vous allez sur aide option, changer de skin, et voilà. Tous vos skins sont changés. Donc cela, non. Ah si, un peu. Il y a la photo de Kenny. Donc celui-là, il est... Celui-là, tout le monde... Tous les packs de skins, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont, celui-là. Le même 2018. Ok, des Enderman, des blocs, des mobs. McDo. Ok, bon, là, c'est les caps qui font freeze. God for Lane. Fortnite. Voilà, donc celui-là, je l'aime bien. Ok, 21 Savage. 6ix9ine. Lil Yachty, Lil Pump, XXXTentacion. Skin de fille. Ok, un skin de garçon. Oh, celui-là il est bien aussi. Ils sont bien pour les RPE. Ok, celui-là j'aime bien aussi. Non, celui-là j'aime moins. Bon bah voilà quoi, il y a plein de skins comme ça. Je les... Tous ceux que j'aime bien, de toute façon, je les mets en favori. Oh! Et voilà, on a fait le tour du pack de skins. Normalement, là, il y aura un pack de textures. Hein. Rien de bien foufou. Voilà. On va mettre créatif. Tiens, je vais tester une graine avec vous. Pour voir si elle est vraie. Hop, on active ça. Clairement. Ok. Oh, XXXTentacion. Attention. Minecraft PlayStation 3 édition. Donc ça, ça va pas changer. Donc là, les musiques, ce n'est pas moi qui les mets. Hein. C'est bien le jeu grâce à la backup. Voilà. Par contre, c'est bien que c'est créé le monde. Donc on se retrouve quand le monde il sera créé. Voilà. Donc là les amis, le monde est créé. Voilà, donc qu'est-ce qui a changé déjà? Beaucoup de trucs. Les minerais ils ont changé. Le minerai d'émeraude, là il a changé. Regardez.
Le bloc d'aluminium gris, il a changé. Lanterne marine, il a changé. Les portes en fer, elles ont changé. Les dalles aussi. Les têtes de troll. Et un panneau avec marqué Go. Les TNT, les coffres. Les diamants. Les bâtons, ils ont changé. Les pommes, elles sont vertes. Ah merde, vous voyez pas depuis tout à l'heure. Oh ! Oh, c'est trop stylé ! Regardez les plastrons en diamant. C'est trop stylé. Le trident en or. Les potions, elles sont trop stylées aussi. Le four, il a changé. L'établi aussi. Les seaux de lave, ils ont changé. Voyons voir la texture. Non. Ça va pas changer. Hop. Les livres, ils ont changé aussi. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo, les gens. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao, ciao.